Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, nous allons voir ensemble comment fonctionnent les barres de progression. Donc une petite vidéo que je n'avais pas encore faite, et pour autant, ça peut être très utile pour certains d'entre vous, et même ça peut être intéressant de savoir comment mettre une barre de progression sur votre site Wix. Donc les barres de progression, du coup, elles sont disponibles sur l'éditeur depuis un petit moment, et on va voir dans cette vidéo, eh bien, comment leur attribuer du coup une valeur et comment, eh bien, elles fonctionnent. Ça vous permet un peu de vous débloquer cette fonctionnalité pour ceux qui ne l'utilisent pas encore et de savoir, eh bien, comment cela fonctionne. Donc pour cela, on va sur notre éditeur. Donc arrivé sur notre éditeur, donc moi personnellement, j'ai déjà mis en place les éléments. J'ai mis plusieurs bandes en fait de différentes hauteurs où j'ai réglé donc ma hauteur avec ma boîte d'outils à 750. Je vous invite à faire la même chose, ça vous permettra, eh bien, du coup, vous, de savoir, eh bien, comment ça fonctionne et de pouvoir un peu mettre en place ces éléments et comprendre un peu mieux peut-être. Donc là, j'ai mes bandes, donc j'ai une première bande, une deuxième bande d'une autre couleur, une troisième bande, une quatrième bande et une cinquième bande sur mon site. Ensuite, avec tout ça, j'ai rajouté du coup ma barre de progression qu'on voit ici. Donc pour aller récupérer une barre de progression, vous activez votre mode développeur en allant sur mode développeur, puis activez mode développeur. Une fois que votre mode développeur est activé, vous allez sur Ajouter et vous allez sur Interactif. Dans Interactif, nous allons retrouver du coup les barres de progression ici et vous sélectionnez celle qui vous intéresse ici. Vous l'importez ensuite sur votre page. Sur votre page, vous pouvez aller dans les paramètres de la barre de progression et définir une valeur cible. La valeur cible, moi dans mon cas, elle va être de 4. J'aurais pu également la mettre de 5 puisque j'avais 5 barres. Maintenant, je pars du principe qu'elle est à 0 sur la première bande, et donc du coup, la bande 1 correspond à 0, et ma bande 5 correspond du coup à la valeur 4. Donc vous mettez le nombre que vous souhaitez ici. Ensuite, moi, ce que j'ai ajouté, j'ai également fait en sorte que eh bien, la barre reste fixe, voilà, sur ma page. Donc ça, c'est une option, hein. Pour faire cela, du coup, je vais juste l'enlever actuellement pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc vous la sélectionnez. Voilà, maintenant elle m'embête un peu. Tac, élément pour tout. Et je vais récupérer simplement donc ma barre de progression qui est ici. Donc la barre de progression, vous la sélectionnez. Vous faites un clic droit dessus. Et ensuite, je vais dire fixer position. Ça va vous permettre d'ouvrir en fait un menu qui va vous permettre du coup de positionner votre barre comme vous avez envie qu'elle soit positionnée. Donc là, je me mets en haut. Donc là, on la voit qui est surlignée ici. Et je vais pouvoir du coup jouer avec les largeurs horizontales, mais également les marges verticales. Donc la marge, je la descends au niveau où j'ai envie. Je la descends juste un petit peu en dessous. Et après, du coup, vous faites valider ou vous fermez. Ça va faire en sorte que du coup, cette petite barre de progression reste eh bien, agrafée ou fixée du coup sur ma page. Et si je scroll, eh bien, du coup, elle reste avec également l'élément. Enfin, ouais, scroll également avec ma page. Ça me permet de voir ce mouvement. Ensuite, on va vouloir lui attribuer du coup une valeur. Moi, je vais faire un changement de valeur dès qu'elle va, eh bien, sortir de ma bande 1 et aller dans ma bande, enfin, aller dans ma bande 2, etc. Donc, en fait, elle va gagner un point à chaque fois qu'elle arrive dans une nouvelle bande. Donc, pour déclencher ça, eh bien, on va aller du coup au niveau donc de notre console. Hop. Donc ici, tac, on retrouve l'idée du coup de ma bande. Là, je sélectionne ma première bande, c'est du coup la bande 2, ici la bande 3, etc. Donc on peut modifier, hein, si on a envie, les différentes idées. Ça nous permet d'avoir quelque chose des fois de plus propre. Donc moi, par exemple, elle, je vais l'appeler eh bien bande 0, puisque du coup, ça sera la valeur 0 de ma barre de progression. Donc celle-ci 0, ensuite je vais sur celle-ci, je vais mettre CTRL V bande 1, bande 2, et ainsi de suite. Donc voilà, mes bandes sont renommées. Donc je ne vous ai pas montré comment on ajoute une bande sur votre site, mais logiquement vous connaissez un petit peu, donc vous allez, pour ceux qui en ont besoin, allez sur Ajouter et vous avez du coup l'élément bande ici et il vous suffit du coup de les imposer directement sur votre site par exemple. Alors, maintenant que j'ai mis les éléments bande, alors on a plusieurs façons de faire. Tac. Donc on va dans notre console de code ici. On a plusieurs façons de faire. On va faire la façon qui va tout le temps fonctionner, qui n'a pas de risque de sauter. C'est-à-dire que je vais prendre du coup les actions de mes bandes. Donc pour ça, je vais lui créer une petite fonction au niveau du démarrage de ma page. C'est-à-dire qu'au démarrage de ma page, je souhaite que
eh bien, cette fonction s'exécute. Donc pour cela, je vais nommer une fonction, je vais l'appeler UserAction, tout simplement. Et ensuite, je crée cette fonction. Donc fonction UserAction. Tac, j'ouvre mes parenthèses. Alors, une fois qu'elles sont ouvertes à l'intérieur de ça, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais dire qu'une fois que eh bien, j'arrive dans la bande 1, la bande 1, ma valeur donc de ma barre ici devient 1. Donc pour cela, je vais faire un appel de ma bande. Donc j'ai appelé bande 2, bande 1, point hop, onViewHunter, parce que je veux que ça soit l'action de rentrer dans cette bande. Et là, eh bien, je dis que ma barre de progression ici, donc s'appelle progressBar 1. S'appelle progressBar 1 du coup. Je baisse parce que je vois que c'est au-dessus de la caméra. Donc progressBar 1. Donc là, je lui dis que eh bien progressBar 1 prend la valeur de 1. Donc hop, je l'appelle. Alors progressBar 1. Value est égal à 1. Tout simplement. Donc je vais faire la même chose du coup pour les autres. Donc ça, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc nous avons 4 bandes. Et donc ici, eh bien, puisqu'on les a tous nommées, donc bande 1, bande 2, bande 3 et bande 4. Et ici, donc les valeurs, on leur dit du coup qu'il y a ici, ça sera du coup bande 2, bande valeur 3 et valeur 4, excusez-moi. Je vais juste aller vérifier du coup que ça fonctionne, donc je vais faire un aperçu. Donc là, 0, effectivement. Je descends 1, 2, alors, hop, 3 et 4. Donc c'est nickel. On voit juste que du coup, on n'a pas la valeur 0 une fois qu'on est du coup sur notre bande ici. Donc elle, eh bien, alors il y a deux façons de faire, hein. Soit on prend l'action quand on revient sur cette bande, soit on prend l'action ici, comme nous avions fait quand on rentre sur cette bande. Donc on va prendre cette action-là. Je vais simplement du coup ici marquer bande 0 et la valeur est 0. Ainsi, si je publie mon site et que je scrolle, voilà, donc bande progressBar 1. La 2 parce que je rentre dans la deuxième barre, la 3 parce que je rentre dans la troisième barre et la 4 parce que je rentre dans la quatrième barre. Voilà comment ça fonctionne. Alors vous pouvez bien sûr faire la même chose avec des encres, c'est-à-dire que je peux dire eh bien que la valeur change parce que je rentre dans l'encre. Pour cela, il vous suffit d'importer, de mettre une encre sur votre page et d'avoir la même fonction, c'est-à-dire qu'on va conserver l'élément code ici. À la place d'avoir bande 1, on aura le nom de votre encre. Tout simplement. Vous pouvez également le faire via un bouton, c'est-à-dire que je peux dire que, par exemple, si je prends un bouton, donc ça peut être bien, par exemple, dans un formulaire à multi-étapes, qui vous dites, bah, si on clique sur tel bouton, c'est-à-dire qu'il a valeur 2, si je clique sur celui-ci, la valeur 3, etc. Donc il va simplement me suffire d'importer mon bouton. Au niveau de mon bouton ici, je vais l'appeler bouton valide, par exemple, hein, et dans mon élément UserAction, je vais lui dire que je vais faire un appel à mon bouton, donc bouton valide. Et là, je vais prendre l'action onClick, donc point onClick. Et on met la même chose, hein, c'est-à-dire que là, si je clique dans celui-ci, par exemple, je vais dire qu'il a la valeur 4. Donc je vais récupérer simplement ici mon code ici, CTRL-C, CTRL-V, et là, je vais dire que du coup, il a la valeur 4 dans ce cas-là. Donc là, je vais faire un aperçu. Là, on voit qu'il a bien la valeur 0, et si je clique sur mon bouton, il se retrouve avec la valeur 4. Voilà comment fonctionne cette petite barre de progression. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile, et je vous dis à très vite donc, pour un nouveau tuto.